Et on se retrouve pour l'épisode 4. Et du coup, j'ai je fais enfin mon blé. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Et mon perso se fait attaquer. En avant! Ils sont où les jaunes? Voilà, ils veulent quoi? Pas alerter les gardes? Peut-être à cause de la ferme. Puis-je aider? Faudra qu'on s'achète des armes pour pouvoir se défendre. Rien de tel On va qu'une rester bonne près des bière. soldats, comme ça, s'ils m'attaquent, les soldats me défendront normalement. On va voir ça. Allez, ils font rien. Ils font pas les malins. Voilà. Avec plaisir. Au On va alerter travail. les gardes, comme ça on va s'en débarrasser. Au travail. S'il n'y a que ça. Les gardes viennent à mon secours. Au travail. Au travail. Ouh là là, ils vont se prendre une ratelée. Tous les soldats sont sur eux. Ça va plus vite comme ça. Comme ça, nous, on risque rien. Votre enfant peut commencer un apprentissage en vite. Que dois-je faire? On va s'occuper de notre ferme. D'accord. Et le Et mouton c'est reparti. fera de la laine plus tard. Ça doit être ça, les jaunes ils sont jaloux qu'on leur fait concurrence. Heures, ils vont bientôt recommencer le travail. Surtout si on achète la tapisserie à côté, ils vont pas être contents du tout. On va directement vendre nos 8 morceaux de blé. Nos 8 kilos pour faire plus dans le jeu. Je Charger, suis en route. repartir. Celui-là, j'en ai que 10. Après, on refera des betteraves. Pote, j'ai gagné à tout prix 1000 euros pour pouvoir payer un apprentissage à mes filles. C'est comme ça, quand je vais les apprendre l'apprentissage, elles pourront être productrices. Je vais en garder une filoute pour pouvoir accéder à voir. Là, pour pouvoir accéder à plus de choses et se défendre contre les jaunes. Puis on va essayer de voir si on peut pas se marier avec Il n'y un a jaune. aucune source de matière première. Ça, normalement, si on se marie avec eux, ça va arrêter la guerre. Des Il n'y a tubercules? qu'une. Source de matière C'est quoi première. ça? Mouton, un Peut-on les trou dans. manger? J'aimerais savoir car j'ai vraiment faim. Comment ça? Ah, peut-être que pareil, faut que ce Oui? soit moi. Qui commence à mettre l'élevage de moutons et après envoyer l'employé. Ça doit être comme pour le blé. Oh.
Ah, dommage, on va devoir acheter de la Il faut que je betterave. travaille. Ah non, super. Une dynastie vient de disparaître. Ah, ce serait bien que ce soit les jaunes. Ah, c'était les jaunes. Ah non, non, j'ai rien dit. Ah, Friedman, c'est les noms d'employés. C'est peut-être les jaunes qui sont morts. Ça nous arrange. Ah non, c'est ceux qui avaient le repère des bandits. Ah, dommage. Du coup. Puis-je aider? Avec plaisir. On va voir si là on peut changer. Et c'est reparti. En avant. Je vais faire du blé comme ça. On va se dépêcher de tout aller donner à notre commerce. Je me dépêche. Voilà. Et du coup, on est enfin autonome. Et si je fais du mouton et de la laine, je pourrais avoir une tapisserie pour être encore plus autonome, directement en plus. Puits sacré. Plus de navets, faut qu'il se dépêche d'arriver. Il est là. Je suis en route. Ça va pas mettre longtemps, normalement pile il arrive. La production est interrompue. Mais elle va reprendre tout de suite. Aussi c'est que la ferme est un peu loin, le temps de faire les allers-retours. Et voilà, déjà reparti. D'accord. Charrette, ça peut être avantageux pour plus tard. Il fait des moutons. Voilà. Du coup, lui. Il faut que je travaille. Bah oui, la durée vit. La durée. La vie est dure. Ah, j'arrive plus à parler, moi. Du coup, ça, c'est bon. Là, dès qu'il arrive, c'est quoi ça? C'est le mouton. C'est qu'il me le donne mort le mouton. Ça doit être ça, ouais. Ça ressemble à du poulet. Ou du bois plutôt. Non, c'est un mouton qui nous a emmenés. Un mouton, ça fait 20 de laine. On va faire le maximum de moutons et après on va le faire de la laine. On va emmener les 16 avant qu'il nous en manque. 4, ça va être juste. Sinon, bon, on va lui faire que des voyages. Décharger, Pourvu que reparti. je ne fasse pas voler. Comme ça, dès qu'on a les 1000,
On lui fait faire l'apprentissage chez nous. Là, j'en vois plus beaucoup des jaunes. Ans, 9 ans. Notre femme, c'est une filoute. 32 à 30. Filoute et filoute. Ma lame est affûtée. Ah, on a les 1000. Du coup. Vous voulez faire un apprentissage? Par contre, là, faudra renvoyer. Ah, on est trop loin en fait, on fait trop d'aller-retour. Ou on en achète, on en prend avant pour plus en avoir besoin et après on se fait livrer. Ou on continue de faire comme ça. Là, notre objectif, c'est d'avoir notre tapisserie. Atelier de tournage. Ah oui, mais ça évolue, mais ça doit coûter plus cher. Pas pour faire le tissu, ça, en plus. Ah non. D'accord. Il est là, l'atelier de tissage. 3002. Ah, il faut être... Artisan. Votre enfant peut commencer un apprentissage. Notre autre fille, on va la faire artisane. Du coup. Pourvu que je ne me fasse pas voler. J'espère qu'on ait assez d'argent pour lui payer les études. Là, on va tout de suite emmener ça. Il faut que je travaille. On va attendre qu'il les apporte. 16, ça fait 4 de plus. Non, c'est pas grave. 16. Un bâtiment est attaqué. Merde. Oh punaise. Jadine, j'aurais rien fait pourtant. On va appeler les gardes, ils vont s'en occuper. Là maintenant, c'est les violets qui m'attaquent. Je leur ai rien fait pourtant. Je suis seulement concurrent avec eux, mais c'est tout. Ça compte pas ça. Famille va prospérer, j'ai mal je au pense, pied. Pour le jeu. Je me dépêche. Là, je pense que les 2-3 premières générations vont nous faire de l'argent pour après accéder à des postes dans la ville, peut-être essayer d'être le maire, pourquoi pas. Trois moutons, on peut faire 62 laines. On va déjà préparer les moutons quand on aura notre atelier de tissage. On va faire de la laine pour les vendre, on verra ce qui rapportera le plus, niveau de temps, etc. Reserve 22, ça nous fera une petite réserve. Un 33. Parfait. Comme ça, on a une avance de navets, de betteraves et de blé. Normalement, on va les revendre, c'est 12. Où ça? On se fait 800, 900, peut-être 1000 piles.
On va voir ça. Sert à quoi? Ceux qui retiennent ici ont déclaré coupables des crimes contre les lois en vigueur par une cour de justice. Les regards pénétrants des gardes vous donnent une idée de tout ce que l'on peut faire à ces malheureux pensionnaires lorsqu'on les amène dans la chambre de torture. Pour les torturer. Moi je suis où du coup? Ma ferme est là. Ah, je suis juste à côté. Si l'envie me prend. Bâtiment est attaqué. Votre enfant peut commencer l'apprentissage. Astuce. C'était tout à l'heure. Voilà. On va produire tout ça. Douze. 1023 va. On va la faire apprendre l'apprentissage, ça sera fait. Même si ça nous coûte de l'argent, faut quand même éduquer nos filles. Sera nos générations après. On va revendre nos 12. Le chariot grince. Aucune route n'est trop longue. On va ramener 20 de betteraves. Je me dépêche. Est-ce qu'on aura la place? On prend une 40 x 9. Oui, on va faire l'affaire. 23. J'arrête, elle va rapporter 375, j'espère. 400, ce serait l'idéal qu'elle rapporte 400. Mais bon, que pour 12, ça m'étonnerait que ça rapporte autant. Non, ça rapporte 240 pour 12. C'est toujours pas mal. Du coup, on va les renvoyer pour 12. On va attendre la prochaine et on va les envoyer avec. Ah, betterave. On va envoyer nos 18. Où souhaitez-vous Ce aller? sera fait. Du coup, là, ça donne quoi? 32 en blé. On peut faire 80 de laine. Se vend 29 et on en fait 20. On va continuer à faire des moutons pour l'instant. On va attendre là. Réussite économique. Bon, pour l'instant, je pense qu'elles vont bien. On a commencé avec combien? 4000. On a deux bâtiments, une ferme, on est autonome. Déjà pour 2000 euros de frais de scolarité. Oui, je pense qu'on rentre dans du bénéfice déjà. Vu qu'on est toujours en train Le d'investir, chariot grince. c'est pas rentable tout de suite, mais sur le long terme, ça le sera. Pourvu que je ne me fasse pas voler. Alors, on va préparer les betteraves.
ça va pas manquer de betteraves. Ah, 21h, tout est à l'arrêt du coup. Alors, on va regarder ce qu'on pourrait faire. Les jaunes et c'est les violets qui m'ont attaqué. On peut commander les gardes des cachots. Intéressant. Dévotion fanatique patricienne. Il est rentré chez moi, non? Non. Moi, je suis que citoyen. Ah, je pourrais m'acheter un titre. On va aller voir ce que ça coûte. Mon grain n'est pas pour... Avec plaisir! Je vais mettre du temps à venir, je pense. Roland Barker, producteur. Classe moyenne. Et moi, il me considère comme quoi comme classe? Je suis là. Classe moyenne aussi. Patrimoine 22 000 euros. Alors qu'on part avec 6 000. Achat d'un titre. On va aller parler au secrétaire. Ah, bonsoir. Quelle charmante soirée de printemps, vous ne trouvez pas? L'été approche. Il me suffit de vous regarder pour comprendre ce que vous voulez. Un nouveau titre de noblesse, quoi. Ah, 1500, pour une somme Patricio. Très modique, je peux vous trouver un nouveau titre. Qu'en dites-vous? Ah, pauvre de vous. J'imagine qu'il ne me reste plus qu'à le vendre à votre concurrent. Oh là là, il est méchant. On va économiser pour s'acheter le prochain. On va faire les deux, je pense. Ah non, on va acheter le titre. Parce que je pense que pour avoir d'autres commerces, il faut le titre. Parce que le titre nous donne accès à plus... On va envoyer... Non, voilà, fallait le faire revenir, mais pas grave. On va regarder comme il disait. Notre richesse. Pour l'hiver, on a fait en revenu 2988. Scolarité 2000. On a fait 988 de bénéf. Évaluation de la richesse 1835. Ah. Ouf. En payant les employés, on se retrouve à 5 pièces d'or. Je vais les vendre mes 12, mes 6. On va la décharger. 120, c'est toujours mieux que rien. Revenir là. Pourvu que je ne fasse pas voler. Et je vous quitte sur cet épisode et on se retrouve pour le 5e épisode vendredi normalement.